Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la liaison. Al-Rabt Beina Al-Kalimatayn. C'est quoi la liaison? Ma'ana Al-Rabt. Lorsqu'un mot se termine par une consonne muette, il arrive qu'on en parle. Que cette consonne soit liée à la voyelle ou à l'h muet qui débute le mot suivant. On dit que l'on fait une liaison. عندما تنتهي الكلمة بحرف ساكن صامت أي حرف غير منطوق عند التحدث إن هذا الحرف الساكن يرتبط بحرف متحرك الذي تبدأ به الكلمة التالية أو بالحرف الصامت آش الذي يبدأ في الكلمة التالية نقول إننا نجري اتصالا أو ربطا بين كلمتين في النطق وعندها فإن الحرف الساكن الغير منطوق يصبح منطوقا كما سوف نرى في الأمثلة التالية Et à ce moment-là, la consonne muette devient prononçable, comme ce qu'on va voir dans les exemples suivants. Nous avons la phrase petit enfant. Petit se termine par T, qui est une consonne muette, qu'on prononce pas. Enfant commence par la voyelle E. لدينا بوتي تنتهي ب تي حرف ساكن غير منطوق ولدينا انفون تبتدئ ب او حرف متحرك quand on prononce on dit petit enfant on ne dit pas petit enfant عندما ننطق الجملة نقول petit enfant وكأن petit و enfant مترابطين معا ولكننا نحتفظ بطبع بنفس طريقة الكتابة petit وحدها و enfant وحدها في النطق نقول petit enfant Petit enfant. Le T qu'on prononce pas avec le E, qui est une voyelle, devient T et devient prononçable. حرف T الساكن الذي إذا جاء في آخر الكلمة لا ينطق عندما يلتقي مع حرف متحرك فهذا الحرف يحركه ويعطيه صوتا فيصبح ت Quels sont les types de liaison ما هي انواع الربط Il existe trois types de liaisons. توجد ثلاثة أنواع من الربط بين الكلمتين. النوع الأول la liaison obligatoire, الربط الإجباري. النوع الثاني la liaison interdite, الربط الممنوع.
والنوع الثالث la liaison facultative, الربط الاختياري. سوف نتطرق لكل نوع على حدة. On va voir chaque type de liaison à part. La liaison facultative. الربط الاختياري. On peut utiliser la liaison facultative entre un nom au pluriel et l'adjectif qui le suit. Exemple. Il raconte des histoires effrayantes. Comme on peut dire, il raconte des histoires effrayantes. Les deux sont corrects. Exemple numéro 2. Ce sont des personnes élégantes. Comme on peut dire, ce sont des personnes élégantes. Les deux sont corrects. في حالة الربط بين الكلمتين الاختياري يمكننا استعمال الربط بين الكلمة و الصفة وتعتبر هذه الجملة صحيحة ويمكننا عدم استعماله في كلا الحالتين كما لاحظنا في المثالين فإن نطقنا للجملة يعتبر صحيحا. On utilise aussi la liaison facultative après les verbes comme être, aller, avoir, devoir, falloir, pouvoir, vouloir et le mot suivant. Exemple. Ils peuvent t'entrer. Je vais écouter de la musique. Comme on peut dire, ils peuvent entrer. Je vais écouter de la musique. Dans les deux prononciations de ces deux exemples, la prononciation reste correcte, avec ou sans liaison entre le verbe et le mot suivant. عند استعمالنا للأفعال مثل être, aller, avoir, devoir, falloir, pouvoir, vouloir, فإننا يمكننا استعمال الربط بين هذا الفعل وبين الكلمة التي تليه.